Faut travailler dur pour gagner gros. Ouh, c'est une belle prise. Ouais, ça a été une bonne journée. Oh, on dirait qu'on a un témoin. Une curieuse petite témoin. Vous êtes ma mère et mon père? Vous leur ressemblez beaucoup? Oh mon Dieu! Même le cœur d'un criminel fond devant ce genre de choses. Allez, viens! On doit faire ce qu'il faut. Bienvenue dans la famille, gamine! Voilà ta nouvelle maison. Waouh, comme c'est beau! Et ce lit? C'est légal au moins d'être aussi grand et douillet? Oups! Ça sent pas bon, ça. Le propriétaire de la maison est revenu? On doit fuir avant qu'il nous rattrape. Chérie, on file! Vite! Qui est là? Je suis sûre d'avoir entendu des pas. Peut-être que c'était dehors. D'ailleurs, pourquoi la fenêtre est ouverte? Il y a un truc qui tourne pas rond ici. Tu sais, on avait juste oublié qu'on venait de déménager. Ici, il y a plus de nature, d'air frais. Regarde comme c'est beau. Papa crochette la serrure. C'est bon. Allez hop, on rentre à la maison. Waouh, cette maison est encore plus belle que celle d'avant. Tu m'étonnes. Et on va juste cacher les photos des vrais proprios. J'espère qu'ils vont pas revenir de suite. Fais comme chez toi. Oups! Oh, c'est juste une balle. Cool! Regarde à travers mes lunettes colorées. C'est encore plus cool. Waouh! C'est dingue, ça te va trop bien. Parce que c'est celle de papa. Top là, chérie. On a fait du bon boulot. Des jouets par-ci, des jouets par-là. Des dessins, des tapis multicolores. C'est quoi tout ça? Ouvre pas encore les yeux. Surprise! Et voilà, on est dans la chambre du bébé. C'est génial! Mais non! C'est quoi ça? Au secours! Je veux pas vivre dans une cage! Oups! On a peut-être été trop loin. On devrait partir d'ici. C'est quoi le meilleur moyen pour calmer une enfant? Évidemment, lui offrir une nouvelle robe. Regarde comme c'est beau ça! Mais on dirait une tenue de prison. On devrait essayer ça alors? C'est une autre couleur. Et d'une marque de luxe en plus. Mais c'est toujours dans le même style. Ok, ok. Tu penses quoi de ça? Hors de question. Oh oh. Encore une crise de colère. Et on ne peut pas laisser ça arriver. Bon, on va aller faire du shopping. Choisis ce que tu veux. Je sais pas par où commencer. Je veux tout ce qu'il y a. Je prends ça, mais paye d'abord. Chérie, regarde ça. T'as vu? Qu'est-ce que notre enfant fabrique? Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non! On va pas payer pour ça. Bizarre, ces clients. Attends une minute. Je vais faire un tour de disparition. Hé, police! Il y a des voleurs ici. Ma mère travaille chez la police. Un cours de présentation, c'est un excellent moyen pour apprendre à mieux connaître ses élèves. Et ma maman à moi est médecin. À ton tour, Cindy. Mes parents sont trop cool, c'est des criminels. Hein? C'est une blague? Ou une farce? Ça n'a aucun sens. Oh, les voilà! Ils travaillent. Oups! Ça craint grave. Coucou! J'arrive pas à le croire. De vrais voleurs? Ouais, ouais, de vrais voleurs. Eh oui! Vous avez rien vu, hein? Chaque famille devrait avoir des photos ensemble. Les parents n'aiment pas être vus en photo. Mais pour le bien de leur fille... Waouh, sympa cet appareil! Encore une cliente bizarre? Mais ils vont tenter de se ressaisir. Et si on prenait la photo nous-mêmes? Oh non! Prenez la pause! Ou au moins, ayez l'air décontracté. Et détendez-vous là, on n'est pas en prison! Oh, c'est vrai! Souriez! Il y a un truc qui cloche. Une autre photo. Celle-ci est mieux, mais on peut avoir plus d'énergie? Hé, hey, c'est quoi ce fond chelou? Souriez! Non, on doit changer ce fond.
Dites cheese. Waouh, ça c'est un chef-d'œuvre. J'ai une idée. Ils font quoi mes parents? Une tenue de criminel pour toute la famille? Trop chou. Psst, on sourit pas. Oups. C'est mon anniversaire dans ma nouvelle maison. Les rêves de Cindy se réalisent-ils enfin? Cool. Il y a même une fête surprise. Mais les cadeaux d'abord. Devine quelle main? Réfléchis bien et ferme les yeux. Dans celle-là. Ouais, t'as de la chance. Un nouveau téléphone dans une coque papite, c'est le cadeau parfait. On ferait tout pour toi. C'est nos invités? Entre, ma chérie. Regarde mon téléphone. Hey, y a que les enfants qui sont invités. On s'attendait pas à des parents flics. C'est un cadeau, je l'ai pas volé. Tu vas devoir rendre ce téléphone. Ou sinon, tu vas aller en prison. Oh non, on s'est fait prendre. Rends-le-moi, bébé. Et traîne plus avec ma fille. La fête est gâchée. Mais la police s'en va au moins. Ça, c'est déjà bien. Attendez une minute. Vous l'avez eu où, ce manteau? Ça viendrait pas de mon armoire? Ah, t'as l'œil. Au moins, on n'est pas allé en prison. C'est déjà ça. Attendre que ses parents rentrent du boulot, ça craint. Je devrais dessiner un truc? Je m'ennuie. Jouer à un jeu? Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Waouh, j'ai une idée! Doit y avoir quelque chose de précieux caché dans le coffre de mes parents. Mais comment je pourrais l'ouvrir? Oh mon Dieu! Tu vois ce que je vois? Les parents n'en croient pas leurs yeux. Leur petite fille suit-elle vraiment leurs traces? Tu veux pas ouvrir? Ah, très bien! Ouais, bon. Elle est pas très persévérante, non? Ça fait du bien de rentrer à la maison. Surtout quand il y a quelqu'un qui t'attend. Attends, il y a un incendie chez nous? Cindy, ma chérie! Vous êtes enfin là! C'est de là que vient la fumée? La petite fille voulait faire quelque chose de gentil. Mais elle a un peu loupé son coup. C'est pas grave, bébé. Je suis sûre que c'est délicieux. Peut-être qu'on devrait pas manger ça. T'es dingue! Elle a mis son cœur dans les charbons. Ma recette préférée. Allez, bonne chance! Bon, tant que je me casse pas une dent. Aïe! Alors, c'est comment? Savoureux. Mais on doit sortir, en fait. Tout de suite! Tous les parents emmènent leurs enfants au ciné. Et les criminels ne font pas exception. Waouh! T'as vu ce tour? Dommage que ce soit papa qui ait choisi le film. Trop naze. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Les mains de Cindy se tendent vers ce pop-corn croustillant. On rêve pas là? Pince-nous! C'est vraiment arrivé? Hurrah! Notre fille est une voleuse! Qui a besoin de ce film maintenant? Donne-moi ce pop-corn! T'as aimé notre histoire sur cette famille de voleurs? Est-ce que toi tu aimerais vivre avec une famille aussi originale? Que font tes parents dans la vie? Dis-le nous en commentaire. Découvre d'autres vidéos sympas sur notre chaîne. Abonne-toi à Troum Troum Wow. Clique sur la cloche, lâche ton like pour cette vidéo et n'oublie pas de la partager avec tes amis.